Alors. J'aurais vraiment pas dit. Tiens. Tu remets un peu d'étain pour ouais, réchauffer. Je pense que c'est trop épais là, ça va pas. Est-ce que tu l'avais déjà étamé ou pas? Oui. En fait, je l'avais. Alors, moi, j'ai bien apprécié le workshop avec Christophe Le Breton, parce que c'est un artiste qui est hyper bienveillant et qui nous a beaucoup aidés, à la fois dans notre démarche, mais aussi pour l'électronique. Ensuite, c'était intéressant de travailler en groupe. C'était la première fois que je travaillais en groupe avec quelqu'un et j'ai trouvé ça intéressant. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était une expérience très agréable, c'était super sympa. Et ça me gênerait pas de recommencer à travailler en binôme avec quelqu'un ou de refaire un workshop avec cet artiste ou même d'autres. Ben moi j'ai beaucoup aimé ce workshop avec Christophe Le Breton, déjà parce que ben, l'artiste était super gentil et on a appris de nouvelles techniques comme de la programmation, on a aussi appris à monter une expo pour faire de l'art interactif, donc prendre en compte le spectateur dans notre installation, c'était une super expérience. Alors, lors du workshop avec Monsieur Le Breton, j'ai acquis la connaissance d'être capable de réaliser un montage électronique à incorporer dans un projet interactif, à partir d'un montage bien sûr, mais j'en suis très fière et je pense que ça va beaucoup m'aider dans mon futur, tout simplement. La semaine de workshop, c'était super intéressant, mais hyper éprouvant, puisque c'était des techniques qu'on n'avait jamais utilisées auparavant, et du coup, de tout acquérir en une semaine et de tout faire en une semaine pour que ça marche, c'était assez dur, même si on était aidé par l'artiste. Et au final, on a tous réussi à finir dans les temps, donc c'est ce qui compte. Donc nous, on était avec Laurine, on a fait un mobile qui tournait grâce à un moteur pas à pas. Et c'était vraiment bien parce que bah on a dû coder avec Monsieur Le Breton, on a monté le moteur, on a fabriqué un dispositif pour que ça puisse tourner, qui était suffisamment léger. Et donc c'était vraiment super de comprendre tout ça, de comprendre le fonctionnement du moteur et de comment le mettre en fonctionnement. Et ça nous a vraiment permis de découvrir quelque chose en plus qui pourrait peut-être à l'avenir être utile dans ce qu'on pratique et dans nos créations. On était quand même tous à peu près vraiment soudés pour s'aider dans nos productions. Donc c'était super et Monsieur Le Breton, il était vraiment très présent. Il restait tard le soir pour nous expliquer, pour prendre le temps de nous aider. Donc c'était super. Le fait de devoir produire un projet en une semaine en vue du vernissage était difficile, on était soumis au stress, mais au final on était fiers de notre projet. J'ai trouvé ce workshop très enrichissant de par les compétences qu'on a apprises en codage, mais aussi par l'expertise de Monsieur Le Breton qui nous a appris énormément de choses sur nos projets individuels. Grâce au workshop de Monsieur Le Breton, j'ai réussi, grâce à ses conseils, à surmonter ma pensée et à aller plus loin que ce que je voulais faire. Avant le workshop, je connaissais pas du tout le codage et c'est vrai que ça a été une nouvelle technique que j'ai pu apprendre et qui m'a permis de pouvoir créer différemment. Le workshop avec Christophe Le Breton était vraiment très instructif. On a appris à la fois grâce à lui et à la fois par nous-mêmes à résoudre des problèmes de dernière minute. Monsieur Le Breton était vraiment, vraiment très à l'écoute. Il était vraiment très présent pour les élèves, très calme et très bienveillant. Il nous aidait à comprendre, à résoudre des problèmes. C'était vraiment chouette de travailler avec lui et c'était une super découverte d'apprendre à faire des choses dont on n'a pas du tout l'habitude et de découvrir un nouveau médium pour travailler.